l'adversaire est sur pied gauche. Il avait armé un peu plus tôt. Il s'est rapproché, il a gagné 10 mètres, ce qui lui permet de toucher la transversale. Malheureusement pour Ben Amri, les Algériens, ce n'est pas suffisant. Il restait une poignée de secondes là avant la fin du temps réglementaire. Jamel Belmadi aurait bien pris cette frappe en pleine lucarne de la part de Benasser. Malheureusement, c'était la barre sortante. Des émotions, il en a vécu tellement lors du match précédent, le quart de finale. Va-t-on repartir sur un scénario similaire? Mahrez en retrait. Ben Lamry. Bien joué. Belaïli. Avec Benasser, il termine fort les Algériens. Riyad Mahrez. Riyad Mahrez toujours. Riyad Mahrez, oh, on le retourne à troisième. Et ça revient dans les pieds des Algériens. Coup fort. 94e minute. Cette canne est folle. Ce match est fou. Julien, il avait la possibilité de frappe. Riyad Mahrez, regardez, il s'infiltre parfaitement entre deux Nigérians. Et là, oh papa, il n'avait pas les appuis qu'il fallait pour pouvoir enchaîner avec son pied gauche. Pas un ballon très très fort, mais il était juste. Alors que là, on voit la faute qui occasionne le coup franc qui va suivre. Il avait son pied gauche et ce petit plat du pied qu'il affectionne tout particulièrement, qu'il aurait pu mettre, mais qu'il n'a pas réussi à sortir de son pied. Riyad Mahrez. Mais c'est sans compter peut-être sur ce coup franc direct. Riyad Mahrez pour un gaucher. On a vu Belaïli, on a vu Bounja. Ça peut être la balle de match, Julien. C'est clairement une balle de match. Il le sait, Jamel Belmadi. Ils le savent, ces joueurs. La folie ou la prolongation? La dernière occasion, très certainement, du temps réglementaire de cette partie. Belaïli, Mahrez, près du ballon. Le chrono est sans équivoque, c'est maintenant ou pas. Riyad Mahrez, Belaïli qui va frapper, le gaucher sans doute. Riyad Mahrez, très fort. Il y avait là la folie ou la prolongation. C'est donc la folie pour l'Algérie. Il va falloir se remettre là, mais c'est quasiment terminé, Bruno. C'est quasiment terminé, mais quel coup franc on va. J'espère pouvoir le savourer parce que c'est encore un but exceptionnel de la part du joueur de Manchester City. Il a choisi le côté ouvert, il a frappé fort, il avait une belle fenêtre. Elle est parfaite, cette balle. C'est pour ça qu'il est capitaine. C'est pour ça que c'est certainement l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est parce qu'il est capable d'être décisif quand il le faut pour envoyer son pays en finale. Ils l'ont fait, les Algériens. Ils rejoignent les Lions du Sénégal dans cette CAN vraiment spéciale, avec des retournements de situation, avec un scénario encore ce soir assez exceptionnel. L'Algérie s'évite la prolongation et surtout l'Algérie disputera une troisième finale dans une Coupe d'Afrique des Nations. Ils avaient gagné en 1990, ils avaient perdu en 1980. Ils essaieront d'aller chercher un deuxième trophée vendredi prochain